Ne fonctionne qu'à 5%. En principe,
Je devrais déjà mourir. Le Seigneur a dit il me dit, je devrais déjà mourir. Il me répond à la question, si tu as un frère qui veut accepter de décéder son rein. Je lui demande. Dans l'examen, deuxième fois, troisième fois, dans ce moment de choses, dans les reins, sa chemise, on a même ça demandé, la personne qui a chemise, nous l'avons dans la maison, qui ça peut être comme nous. Et lui a dit non, parce qu'il faut ailleurs, on a dit papa, nous sommes dans l'Afrique. Dans l'Afrique, c'est ma volonté. Et là, on a dit, il faut défendre un coma, ton frère, ta famille, ton solico, parce que ça, les aides, comme c'est pas de la blague. On finit, je suis rentré. Dieu a fait grâce, j'avais trois frères qui se sont portés. Sont passés par les examens, c'était positif, c'est l'un d'eux. Et Dieu, je vous assure, il me fallait beaucoup d'argent que je n'avais pas d'ailleurs. J'ai dit beaucoup. Rien comme pour les soins, il me fallait 20 000 dollars. Mais on est là de tous. Beaucoup de choses, les billets d'avion, l'hôtel, beaucoup trop de choses. Je devais voyager avec ma femme, je devais voyager avec mon petit frère, mon donneur. 35 000 balles. Il fallait réunir. Je vous dis, les dieux. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu que moi je prêche. Je ne dis pas ces choses. Je ne te dis pas que Dieu est puissant. Parce que Pierre l'a dit. Parce que l'apôtre est bon. Mais je vous dis, parce que j'ai expérimenté la puissance. C'est pourquoi je dis aux gens. Dieu ne m'a pas seulement guéri, mais il m'a ressuscité. Parce que les choses que j'ai vécues, je ne vais pas t'expliquer. Je passe au mois de juin ici, le 14 juin, que je vais totaliser une année depuis mon opération. Le pasteur venait me voir, j'avais perdu 19 kilos. J'étais méconnaissant. Les deux amis pasteurs ici étaient toujours avec moi dans la prière. Vous savez la seule chose que Dieu m'avait donnée? La foi. Ne perds jamais ta foi. Les gens qui venaient me rendre visite, vous les voyez en train de pleurer. Rien qu'à me regarder, ils commencent à pleurer. Je leur disais ceci. Mes amis sont témoins. Je leur disais ceci. Je ne suis pas une mouche. Naza, mon idée. Voilà, il m'a dit que je ne me tape pas. Je disais, je suis un homme de Dieu. Si mon temps arrive, le ciel m'informera. Mais jusqu'à présent, le ciel ne m'a encore rien dit. C'est la venue. Amen. Je le disais alors que j'étais dans un état méconnaissant. Mes amis, je commence à faire le ok. Vous voyez bien, ok? Quatre jours et quatre nuits. Donc, dès que je me réveille la nuit, c'est comme si mon cœur bombardait dans le canal. La nuit, on m'a. Et je vous dis qu'un j'arrive, ok. Tu n'as pas 10 secondes. J'ai dit 10 secondes de repos. Malgré toutes ces choses, les douleurs continuent. Et vous savez, il y a un certain moment, je disais aux gens, je disais aux amis, je vais mourir un jour, mais pas de cette grâce. Amen. Il y a, vous savez, quand le Seigneur a agi, il y a une chose que je ne peux pas expliquer ici. Et ça, pour nous, on a reçu quelques informations, on a reçu appliqué à la crise. Parce que ma père n'a qu'espoir d'avoir été accueilli. C'est pourquoi je suis venu dans mon bras. Je ne sais pas, j'ai encore combien de temps sur la terre. Laisse-moi me libérer sur toi. Laisse-moi te dire les choses. Parce que là, il m'a aidé. Je vous dis, Abraham, dans mon lit, je vais te bénir le soleil. Là, je vais te dire, Abonne-moi. Ok, c'est là, 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 c'
Et puis pour faire un monde normal, moi je ne crée pas la mort. Même le diable sait que moi je ne crée pas. Si tu es dit, le temps est venu, tu es gloire. Écoutez-moi. Abraham a confié dans une heureuse vieillesse. Amen. Une heureuse vieillesse. Mon père est mort. Ils ont dit que vous êtes en train de vous dire. Vous avez une amitié. Ils sont en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que vous êtes en train de vous dire. Dieu a tout disponibilisé par la grâce. Mais il a rendu tout accessible par la foi. Avant d'exploiter la deuxième dimension. Dans la première dimension, nous prenons la grâce comme une source. La grâce de Dieu nous distribue des faveurs. Parce que selon l'origine même du mot grâce en grec. Caris. Ça donne bonne volonté. Bonté. Au faveur. C'est ça la grâce. Un don immérité. La grâce se présente là où il n'y a pas de mérite. Là où il n'y a pas de mérite, la grâce est présente. Là où il y a le mérite, la grâce est absente. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que nous sommes ensemble? Laissez-moi passer à la deuxième dimension. La grâce et la foi. Comme deux moyens différents d'activer la puissance de Dieu par rapport à cette deuxième dimension. La grâce est considérée comme la démarche de Dieu vers l'homme, et la foi est définie comme la démarche de l'homme vers Dieu. Je vais expliquer. Est-ce que l'enfant peut venir rapidement ici? Les enfants peuvent venir rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. Soit rendu à notre Dieu. Venez. Toi, tu es ici. Ariana, Azao, Nadonai, Azao. Sukoyo, Adonai, Kakane, Komune, Biwana, Yazaro, Kulansambi. N'est-ce pas? Amen. Ariana, Azaro, Kulamoto. Tozoka, madame. Amen. Tozoka, la grâce, la foi. Tozoka, dit que grâce, les autres, pas Nazambi, foi, les autres, pas Nani. La grâce de Dieu devient un moyen, par lequel tu actives la puissance. Quand tu
qui de son trône, il va vers l'homme pour lui faire du bien. Vous comprenez que l'homme n'a fait aucune démarche. Il n'a fourni aucun effort. Mais c'est Dieu qui a tout fait pour aller vers l'homme. La grâce de Dieu n'a pas de critères. La grâce de Dieu dans ce domaine n'est pas équitable. Parce que l'Écriture nous dit, il fait grâce à qui il fait grâce. Amen. Il fait grâce à qui il fait grâce. Alors c'est la démarche de Dieu vers l'homme. Dans ce contexte, Dieu peut arriver dans cette église. Il trouve des sœurs qui prient, qui demandent le mariage. Dieu laisse la sœur qui a fait 5 ans la permanence en train de demander le mariage. La grâce va choisir une sœur qui vient de faire à peine 6 mois. Qui n'a même pas encore maîtrisé la vie chrétienne. La grâce lui donne le mariage. Ce n'est pas une question de mérite là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? En soi, là-bas a organisé les noces pour sa fille Rachel et Jacob. Jacob a travaillé pendant 6 ans. Ce soir-là, Jacob savait qu'on va lui amener sa femme Rachel. Écoutez, elle méritait ce mariage parce qu'elle était belle de figure et de taille. Elle méritait ce mariage parce que le mari l'aimait. Elle méritait ce mariage parce que le mari a travaillé pendant 7 ans pour elle. Léa ne méritait rien. Ce soir-là, alors que Jacob attend la chaise, Léa, qui était déjà dans sa tente, elle ne s'est pas préparée pour le mariage. Elle n'a pas été au salon de coiffure. Elle n'a pas été au salon de manucure ou de pédicure. Non, elle n'a pas acheté de nouveaux vêtements. Elle savait que le mariage c'est pour sa soeur. Curieusement, son père va l'amener auprès de Jacob. Écoutez, Rachel méritait ce mariage. Léa ne méritait pas. La grâce va donner le mariage à la personne qui ne méritait pas. Laisse-moi te dire que la grâce de Dieu te voit ce soir. Que la grâce de Dieu te voit dans tes défauts. Que la grâce de Dieu te voit dans tes imperfections. Que la grâce de Dieu te voit dans tes manques. Que la grâce de Dieu te voie dans ta petitesse. Et sois-y. Une personne ne peut te disqualifier. Parce qu'avant tu ne méritais pas. La grâce t'amène dans le mérite. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Le mérite de la grâce, le mérite de Dieu. Pendant ce temps, Rachel qui méritait, on l'a pas amené auprès de l'époux. La grâce est allée vers Léa. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme ça que la grâce de Dieu fonctionne. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup. Ce n'est pas parce que je jeûne beaucoup. Ce n'est pas parce que je chante beaucoup. Je ne suis pas en train de vous décourager de chanter, de prier. Mais je vous montre une vérité biblique. La grâce ne suit pas le mérite. Amen. Mais le problème avec la grâce, prophète, c'est qu'on ne connaît pas à quel moment la grâce viendra vers nous. Ça dépend de Dieu. Ça dépend du temps de Dieu. Donc je dois laisser l'entrée d'attendre. Alors que, je dis alors que, la foi, ça c'est la démarche de l'homme. La démarche de l'homme vers Dieu. Moi j'aime la foi. Pourquoi? Parce qu'avec la grâce, je ne connais ni le jour. Hier, je resterai là pendant 5 ans. 10 ans.
15 ans, 20 ans, entrer dans ta, et avec la foi, c'est moi qui décide. Parce que Dieu n'est pas venu vers moi, moi j'irai vers lui. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas là, je dois aller vers le Dieu, je dois réclamer, je dois revendiquer pour que Dieu fasse quelque chose. La grâce est une chose, je l'aime, mais j'aime plus la foi. Continue de la foi, je peux décider aujourd'hui, je vais vers le Dieu, agirai, et ce Dieu-là agira. Merci pour vous. Je te donne un autre exemple. Jairus, le chef d'une synagogue, va voir Jésus. Il se jette à ses pieds. Ma fille est mourante. Viens lui et poser les mains pour qu'il guérisse. Jésus a accepté. Comprenez, pour la fille de Jairus, cette démarche, c'était la grâce. Parce que là, le Seigneur vient vers elle. Ce n'est pas même elle-même qui a fait la démarche, c'est son père. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Elle attendait la manifestation de la grâce. Mais pendant le même voyage, il y a une autre femme à le soulement du sang. Il a vu Jésus passer. Et moi, je suis impur. On ne m'acceptera pas. Si j'attends la grâce ne viendra jamais. Je dois utiliser la foi. Moi, je dois aller vers lui. Je te conseille d'aller vers lui. Ne viens pas trop l'attendre. Parce que tu risques de l'attendre longtemps. La femme dit, si j'arrive seulement à toucher son vêtement, je serai guéri. La foi inspire. Qui lui a dit, si elle touche le vêtement, elle sera guérie. Ça, c'est la foi qui lui a révélé ces choses. Et si je touche, je serai guéri. La foi peut inspirer un comportement. La foi peut inspirer une attitude. La foi peut inspirer une action. Est-ce que quelqu'un pense à tout? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle dit, je vais aller parler. Parce que le visage, le regard du Seigneur est tourné vers la maison de Jairus. Moi, je viendrai derrière. Je ne suis pas un peuple du devant. C'est un peuple du devant. Moi, je suis un peuple de derrière. Je viendrai par derrière. Vous trouverez ma guérison derrière. Celle qui est devant, elle attend la grâce. Celle qui est derrière, elle exerce sa foi. Qu'est-ce qui s'est fait? Celle qui avait la foi, elle a trouvé la guérison avant celle qui attendait la grâce. Non seulement elle a trouvé la guérison, elle est même morte en attendant. Attention que Dieu ne meure pas en train d'attendre. J'attends de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et la mort me trouve. Non, il faut que je vive cette promesse de Dieu. Quelqu'un m'a entendu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette femme? Elle dit, je veux toucher. As-tu oublié que tu es impur? Que dans ton état, tout ce que tu touches devient impur. Donc la femme a eu la révélation de transférer son impureté à celui qui a dit, à celui au sujet duquel il est dit, il a été frappé à cause de nos péchés, il a été chargé de nos iniquités. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on va transférer la chose? Dieu est merveilleux. Qu'est-ce que j'ai lu sa démarche? Imposer la main sur sa fille. Imposer la main. Toucher. Jairus voulait ce que Jésus touche sa fille. Mais la femme a le tourment du sang. Elle aussi voulait toucher le Seigneur. Et la différence est quoi? La fille de la grâce attendait qu'elle soit touchée. Mais la femme de la foi, c'est moi qui vais toucher. Je vais te dire ce soir, si le Seigneur ne te touche, toi touche-lui. Est-ce que tu comprends? Si le Seigneur ne te touche, toi touche-lui.
ce n'est pas grave. Seigneur, tu n'as pas décidé de me toucher. Moi, je t'ai touché. Quand je t'ai touché, ma force sortira de toi. Tu le feras du bien. Pendant ce temps, sa vie attend. Tu es mort. Moi, j'ai la foi. Tu reçois la chose. Oh, j'aime ça, Seigneur. Oh, j'aime ça, Seigneur. Touchez le Seigneur. Parce qu'en le touchant, tu lui transfères la chose que tu avais. On peut le toucher par la prière. Parce que quand tu pries, tu lui transfères tes promesses, tes impuretés, tes imperfections, tes besoins. C'est ce que tu m'as entendu. Jusqu'à ce que tu saves que tu l'as touché. Et ton signe. Amen. Le Seigneur ne vient pas. Si il ne me touche pas, ce n'est pas grave. Et ça, moi, je me lèverai. J'irai vers lui. Et je l'ai touché. Et il sera obligé de s'arrêter. Comme il s'est arrêté. Dans la femme. Il a touché. Il s'est arrêté. Et il s'est tourné. Là, le Seigneur tourne le dos à la maison de Jaïris. Son visage vers la femme. Ça qui était derrière, c'est là maintenant devant. Par le Seigneur, laisse-moi te dire, aujourd'hui tu es derrière. Touche le Seigneur, tu seras devant. Est-ce que tu as compris le premier? Écoute-moi, la femme a le combat du sang, a souffert, pendant 12 ans. La fille de Jairus avait aussi l'âge de 12 ans. Et elle a entendu souffrir toujours. Au cours du même voyage, des chiffres 12. Est-ce que c'est demain? La femme a souffert pendant 12 ans. C'est l'âge de 12 ans. Tous encore 12 ans. Tous en âge. Et 12 ans de naissance. Nous voyons peu par peu. Chiffre 12. Fille de Jaïris. Les gens d'Israël. Le peuple au chiffre 12. Oh, 12. Jaïris qui est allé démarcher. C'est l'image des patriarches juifs. C'est à cause des promesses que Dieu a fait au patriarche que Jésus est venu en chair. Mais laisse-moi te dire, femme à l'écoulement du sang, femme à l'impureté, c'est nous l'église de la chair. Est-ce que je me fais comprendre? Nous ne pouvions pas paraître dans sa présence. Ces voyages-là, ce n'était pas pour nous, c'était pour les juifs. Il est venu sur les cieux. Est-ce que je me fais comprendre? Nous avons profité de ce voyage. C'est un thème à la main. Nous sommes aussi un pape. Au chiffre 12. Avec 12 apôtres. Et c'est un thème à la main. C'est un thème à conduire. Je suis en train de te dire. Pendant que le Seigneur a fait du bien à ce peuple, la femme qui l'a touché, le Seigneur a arrêté sa marche. Le chiffre a accroît. C'est là qu'il s'est tourné. Il a tourné d'autres. Au nom de Jésus. Juste à présent. Il a tourné son visage. C'est la femme. Cette femme. Écoutez comment le Seigneur l'appelle. Il a dit qui m'a touché. La femme est venue se présenter. Eh, le Seigneur va lui dire. Ne crains rien. Le Seigneur l'appelle ma fille. Jusque là. Personne ne l'avait appelé ma fille. C'est la fille de Jaïris. Quand on se montre de Jaïris et son père, cette femme-là, ancien membre de famille, et là le Seigneur l'appelle ma fille. Ça aussi, je deviens ton père. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu es tellement embarqué? Ma fille, c'est la foi qui t'a sauvé. C'est la foi qui est opérationnelle. La fille de Jaïris, c'est la grâce qui devait être opérationnelle. Mais écoutez-moi, écoutez-moi, il faut que je te parle à